Swag, swag, ce boy, soldier, soldier, soldier. Donc on est encore sur du Saint-Rouen. Donc là vous pouvez voir que j'avais mis à télécharger les DLC de Saint-Rouen 2. Faut que je me trouve une caisse. C'est bizarre, il n'y a jamais de caisse quand on le veut. Tiens, il y en a une qui vient là. J'espère qu'elle ne tourne pas, ça me ferait chier. Bam. Cool, j'ai fait l'activité otage. Première fois que j'ai fait sur Saint-Rouen. J'ai déjà fait sur Saint-Rouen 2, c'est ça, c'est délire. En gros, on obtient une rançon si on garde le mec dans notre voiture. Comme YouTube qui est toujours là. Il essaie d'ouvrir la porte ou je sais pas quoi là. Ah, je gars. Il reste encore 40 secondes, là, je comprends. Ça, ça me fera 1000$. Par contre, pas que je ralentisse trop vite, accélère, accélère. Yep, ça marche. Et vous voyez en bas à gauche les étoiles de flic qui augmentent constamment. Donc, enfin, 26 secondes. Le mec, il est pas doué, il a peur qu'il aille même pas faire ma clé. Non, 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 non. Putain, j'ai eu chaud, j'ai pas regardé en bas ça. 10 secondes, pas que je me loupe. Non. Putain, c'est le mec. Putain, le mec, c'est trop un gland en fait. Et en plus, pareil comme il voulait là. Il va lui mettre une ou quoi là. Il attend quoi pour descendre? Non. Ouais, j'ai pas compris là. Est-ce que je vais mettre une? J'ai rien compris perso là. Ah, ça a marché, ok. Putain, ça m'a mis du temps. Là je voulais aller à ma planque pour aller chercher les thunes que j'ai parce que je pense que j'ai pas encore été depuis le début. Peut-être une fois, je m'en rappelle plus. Après il faut que j'achète des armes. Et je vais faire l'activité trafic de drogue pour augmenter ma barre de respect. Ensuite je continuerai la mission avec avec Dex et Carnales. C'est là. Peut-être que je change de fringue aussi. Je vais le mettre torse nu. Et voir si je peux le muscler un peu. Quoi, j'ai que 2000$. C'est pas beaucoup. What the fuck? Mon frigo il s'est ouvert. Bon, normalement, j'ai une caisse là-dedans. Ouais, celle du début. Toujours parmi. J'avais dit que j'allais mettre celle de Will, le Mac, mais finalement j'avais oublié, je crois. Je vais voir si je peux venir là. Normalement ça coûte 500$ dans Saint-Rouen 2. On va voir combien ça coûte ici. J'ai perdu mon ange Oliver. Là. Move! On entre. Quoi? Le mec il l'a braqué ou quoi? Je sais pas ce qui se passe. C'est bizarre. Quand je joue, ça se m'a bugué alors que normalement ça bug pas. Bon, il y en a un autre là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là? Fait l'hélicoptère. Bouge! C'est fou le nombre de gens qui roulent en sens inverse dans cette ville. Tu vois, tu roules en sens inverse, tu passes à travers ton pare-brise. Faut respecter les limitations et les réglementations de vitesse. Oh,
Désolé pour ce petit. Oh! Le taxi l'a écrasé! C'est un malade! Je me serais jamais permis, putain, dégage! En France, on roule à gauche. Ok. Et où tu passes encore à travers? Putain, je vais exploser ma caisse, alors que je suis même pas encore arrivé. Bon. C'est pas moi, j'espère. J'ai une roue qui merde, j'entends bouger. On fait toc 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 toc. Après, il faut que j'aille au barbier. Là, j'ai encore mon crâne rasé et tout. J'ai dit que je changerais. Bon, ça va, on est qu'au cinquième épisode. Ah, là, je peux. Quoi, ça coûte 3 000 $, putain. Ouais, je mange pas le visage. Putain, c'est de l'ombre avec sa casquette. Je pensais qu'il avait deux couleurs de peau différentes là. Un peu trop gros là. Comme ça. Bon, c'est tout. T'as 3 000 $ juste pour des pecs quoi. Ouais, le glitch de la porte. Porte quoi. Je vais aller au barbier tout de suite. Voilà, j'ai téléchargé les 3 packs de Sinstro 2. Tout le monde s'en fout, même moi. On va voir la coupe que je vais faire. Bon, vu qu'il a le crâne rasé, je vais lui faire des cheveux courts pour l'instant. Chief Keef. Fuck, nigga, stache là ton like. Je vais faire ça. T'as 120 $ pour cette merde. C'est ouf. 120 $ pour me laisser pousser des cheveux, quoi. Ok. Ça fait partie du DLC de Noël. Une barre de. Wow! Oh my god! Oh putain! Bah non, franchement, je peux pas faire ça. C'est trop horrible. Je vais lui mettre une barbe quand même. Il faut une moustache. Ça commence à quand même pas avec. Bon, tant pis. Oh. C'est quoi ça? Tirer la mère à Yoda. Foufoune. Ok. Ça. Sourcil, le geste. Non, ouais, je vais le quitter. Je trouve qu'il a un peu de gueule comme ça. C'est pas mal. Quoi? T'as dit que j'étais pas un gangster? Le mec il est vraiment passé en dessous de ma voiture. Là il vient de se faire one shot par ma porte. Bon, on s'en fout. La station Carnales, ensuite l'activité. Trafic de drogue. Je vais appeler un sense avant. Un pote. Je vais appeler une sense. Vu que j'ai déjà fait une mission en Quill. T'as l'air rapide. Bon, on va prendre ta case parce que la mienne. Quoi? Ah, c'est elle qui conduit quand Ok, je connaissais pas du tout ça en fait. Gauche, 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 gauche. Ah d'accord. Ah c'est cool ça en fait, c'est pas moi qui conduis. C'est un genre de taxi, enfin sauf que on n'en paye pas. Je pensais juste que ça allait appeler une pote. Y'a pas ça dans Saints Row 2. Faut aller à droite. Donc on va par là. Là, c'est à gauche.
C'est assez sympa ça. Là, faut aller où? Gauche encore. Ah, je vais m'en servir souvent de ça en fait quand j'aurai la flemme de conduire. Non, gauche, gauche. Attention, mec. Oh putain, on conduit bien en plus. Bon, la prochaine fois que je ferai ça, je pense que je passerai. Comme ça, ce serait plus rapide. Là, c'est à droite. Par contre, elle n'avait pas son clignotant. On s'en fout, mais bon. Ok. Il y a le mec qui lui coupe la route, mais bon, faut que tu recules là. Ça, c'est le genre de truc très sympa, c'est si on peut faire des. Par contre, faut que tu freines là. Faut que tu freines là, faut que tu freines là. Si on peut faire des drive-by, des attaques sur des gangs. Ah, mais je suis trop con en fait, j'ai pas d'armes. Vas-y, je le fais comme ça. Faut que j'achète des armes juste après. Quoique, non, je vais faire un trafic de drogue après, je pense que je serai encore à côté. Now that the Carnales drug ring is hurting, they've started to move to gun running. They set up a weapons plant in an old steel factory. Don't let their business get off the ground. Je peux pas appeler une pote là? Je vais rappeler Will. Parce que sans lui, je sais pas si je vais réussir là. After what you did for me, how could I say no? C'est bien. C'est bien ma gueule. Putain, j'ai la classe avec une muscle et de la barbe là. Ça en fait c'est simple, ils sont pas tous au même endroit. Par contre j'ai envie de me le faire. Oh putain, trop fort. C'est kiffant. Je vais garder mes balles. Quoique non. Tu permets? Ah je kiffe. Y'a pas de sniper comme ça dans le 2. Bon, je vais garder mes balles maintenant. Quoi qu'il me reste 2 balles, il y en a un là. J'aime bien, c'est que les mecs ils continuent le. C'est là-bas, ils bougent pas. En fait, c'est plutôt simple. Parce qu'ils sont pas tous au même endroit, moi je m'attendais qu'ils soient tous au même endroit. Là, ça aurait été la grosse galère. Pourquoi on se cache? Parce qu'il n'y a pas d'arme. Il a un coup de pompe. Et voilà. Ah, il y en a encore d'autres. Putain. Oh, galère. C'est où? C'est juste là, là. Ah ouais, c'est juste là. Je pose dans la voiture, là. Bon, par contre, Will, pour l'instant, il fait un peu rien. Putain, il y a du monde. Ça va me saouler, ça. Tu m'aides, Will. Tu rentres aussi. Putain, à deux, enfin, un ennemi vu que le mec il fait presque rien là. On a envoyé un entrepôt comme ça là.
Ça serait rare contre si je marque comme ça. C'est bon là, non? Ah, faut détruire leur truc. Putain, il y en a encore des gens. Bon, j'attends de récupérer ma vie. Bon, Will, cette fois-ci, tu m'aides. Hein. Bon, par contre, je pensais que c'était plus court, donc je ferai pas l'activité trafic de drogue dans cet épisode. Cool, j'ai ramassé des nuggets et un hamburger. Eh, mais c'est vachement sympa ça. Ok, ils sont là, putain, j'avais pas vu. Du coup, si le mec, j'ai fait tomber là, dans le feu. Parce que c'est comme le truc. T'es du C4. Ouais, faut que j'en pose. Ça c'est con, j'aurais bien aimé récupérer leur usine pour moi parce que je suis en manque d'armes en ce moment. Ça m'aurait fait du fric aussi. Je crois qu'après il va falloir courir pour pas mourir et tout. Ah mais c'est trop fun ça. C'est un fusil d'assaut. Voilà, je garde mon sniper quand même. Putain, j'ai chopé un RPG. Putain, mais j'adore cet endroit. Ouais, je pose la bombe et je me barre. Encore une. C'est pas grave. Non. Il est par là, non? Bah, ça va être à la porte alors. C'est plutôt sympa en fait, ça. Ah, ouais, exact. Par contre, il y a du monde. Ok, en fait, on est juste à découvrir dans la route. Bon, du coup, faut que je trouve un moyen de monter en haut. Je suis quand même pour monter en haut, sérieux. On peut monter. On peut pas monter là. Mais bah, je m'en fous qu'il soit mort, moi je fais comment? Si. Ouais, ça y est, ça doit être là. Bon bah, désolé pour Will qui est mort. Il me fait tirer dessus de partout. Je me demande comment je vais faire pour descendre. Quoi? 30 secondes pour partir. Putain, faut que j'aille loin en plus. Il y a une caisse là. Fit, je monte dans la caisse. 10 secondes. 8, 7, 6, 5. Ah, c'est beau, ah putain. Ah, j'adore. J'espère que je gagne du fric là-dedans, moi. 1200 seulement. Ça me fait un quartier de plus. C'était plutôt sympa en fait. Donc, c'est la fin de cet épisode. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Swag out.